Voici donc ma commande de chez Craftelier. Le premier modèle que j'ai pris, c'est donc celui-ci, c'est Face. Il n'est pas daté. Donc ça se présente comme ceci. Le premier onglet est donc comme ceci. L'intérieur, la vue mensuelle est comme ceci. Et voici les semaines. Donc, la première page, elle se présente comme ceci, avec quatre trackers. Et voici. Donc, l'onglet suivant, c'est comme ceci. Je les trouve très belles, les images. Et donc, à la fin de chaque mois, vous pouvez faire une. Mettre trois photos. Donc l'onglet suivant, il est comme ceci. Celle-ci toute simple. Avec certaines citations. Celle-ci aussi toute simple. Une autre citation. Et donc ça se termine comme ceci. Donc ça, c'est donc le premier que j'ai pris. Donc je remonte là. Donc c'est celui-ci. Ensuite, j'ai pris pour faire mes budgets. Donc je vais enlever ce qui colle avant. Ça tient bien, donc c'est celui-ci, pareil, il n'est pas daté et il est très coloré, donc voici. Donc c'est un mini, j'ai pas pris en grand. Donc on démarre par une page de récapitulatif, ensuite ça se présente comme ça, la vue mensuelle. La page pour mettre ce qu'on a déjà en prévision. Et après donc tout ce qu'on a comme dépenses. Ils ont fait donc une page par semaine. Je trouve que c'est en mini, il est très bien fait, je trouve. Et donc à la fin, on a une page pour noter. Et donc je vais vous montrer donc les onglets différents, vu que l'intérieur c'est toujours pareil. Il est très peps, très. Donc ça c'est le dernier et donc à la fin c'est comme ceci. Hein? Le troisième que j'ai pris, c'est pour noter les recettes. Donc c'est celui-ci. J'avoue que j'ai craqué sur la couverture. Je la trouve très belle. Bon, j'adore les cerises aussi. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. La première page, et donc c'est divisé. Donc on a les conversions au début. Et donc après chaque onglet, alors je ne sais pas si vous allez voir,
et divisé par section. Voilà. Breakfast et à la fin, il y a les desserts. Alors, je vais vous montrer donc les onglets. Donc, en premier, on a des petites fraises. Ensuite, on a des citations. Là, un petit mélange de fruits et légumes. Là, pareil, une citation. Ensuite, des fruits, rhubarbe, fraises et compagnie. Ensuite, là, on a des agrumes. Une autre citation. Et pour finir, une citation. Et donc à l'intérieur, à chaque fois, donc c'est pareil. Donc si, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Donc, vous avez une page comme ça. Et le derrière, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, en version mini. Pour noter ces petites recettes. Et le dernier que j'ai pris, donc c'est un, par contre, là c'est un carnet. La pinote. Donc il se compose comme ceci. C'est toujours trouvé marron, là, la couverture. Comme ceci. Et donc l'intérieur, il y a trois sections. Donc après, vous pouvez noter comme vous voulez. Donc la première section, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Et les pages à l'intérieur sont donc comme ceci. Ça fait des petites sections. Et là, c'est ligné. Donc voici ma petite commande que j'ai faite donc chez Craftelier. Bye bye!